Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour le bilan du mois de mai parce que qu'est-ce que serait un bilan si j'étais pas super en retard? On est quand même le 2 septembre, donc c'est le moment de le faire. J'ai 12 livres, il me semble, à vous présenter, donc je vais vraiment passer très très rapidement sur chacun, surtout que ça commence à dater donc je me rappelle pas très bien. Mais c'est parti. Le premier livre que j'ai lu en mai, c'est Le Balcon de Jean Genet, c'est une pièce de théâtre. On va suivre les personnages qui vivent dans un bordel en fait, et à l'extérieur de ce bordel il y a une révolution qui éclate, et donc on suit un petit peu les événements qui se déroulent pendant cette révolution, mais indirectement parce que on n'assiste jamais vraiment à la scène, et on assiste aux événements à travers les histoires des clients et des habitués qui viennent dans cette maison close. Bref, je ne me rappelle pas très bien de la fin, mais ce dont je me rappelle, c'est que les dialogues sont extrêmement bien écrits, c'était assez intelligent et j'ai beaucoup aimé cette pièce. Ensuite, j'ai lu La Paire des Nuages de Thomas Vineau. On suit l'histoire de Joseph qui, il me semble qu'il lui arrive quelque chose d'un petit peu traumatisant, mais on ne sait jamais vraiment qu'est-ce que c'était. Et il a un petit peu, enfin il vit assez mal cet événement. Et donc il va partir un peu à la recherche, je sais pas, de réponses. Il va faire des rencontres, il va se construire une cabane dans les arbres. Et c'est vraiment pas un roman qui se base sur des faits et on va dire des péripéties. C'est plus une introspection dans la tête du personnage de Joseph. Et forcément j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup ces livres justement très introspectifs, qui vont justement en profondeur dans les pensées du personnage, son évolution au cours du livre, etc. Il y a plein de passages extrêmement beaux et inspirants, donc voilà, je vous recommande également. Ensuite, j'ai lu Aquarium de David Van. C'est l'histoire de Kathleen qui a 12 ans et qui, ses passions c'est les aquariums, donc elle passe vraiment plusieurs heures par semaine, plusieurs heures dans un aquarium près de chez elle, à observer les poissons. Et un jour là-bas elle rencontre un vieil homme et il commence à lier une amitié un petit peu particulière. La mère de Kathleen est assez spéciale parce que elle a vraiment vécu une enfance très douloureuse et elle souffre beaucoup. Enfin, les deux vivent ensemble, donc elle vit seule avec sa mère et elles sont assez pauvres, elles ont du mal à vivre confortablement. Et la rencontre avec ce vieil homme va vraiment déclencher quelque chose d'assez énorme et d'assez choquant, qui va faire ressurgir une part du passé de la mère de Kathleen. Et à partir de ce moment-là, ça va devenir extrêmement oppressant, parce qu'on va découvrir que donc sa mère a des énormes soucis et que les problèmes de son passé sont loin d'être réglés, et la rencontre avec ce vieil homme va tout faire ressortir. Je vous en dis pas plus, c'est très sombre. Surtout la deuxième partie, il y a vraiment des passages qui sont durs, mais c'est très bien écrit et ça raconte avec énormément d'honnêteté et de brutalité tout ce qu'il y a de négatif dans l'humain, le désir de vengeance, l'amertume, la tristesse, la douleur, enfin bref, c'était vraiment un roman excellent que je vous recommande. Ensuite, j'ai lu un recueil de poèmes de Ocean Vuong, donc Night Sky with Exit Wounds, qui est, il me semble, son premier recueil. C'est un peu dur de parler de poèmes, donc je ne vais pas vraiment vous parler du livre en lui-même, mais plus de ce que j'en ai pensé. J'ai vraiment bien connecté avec ce livre. L'auteur est quelqu'un qui connaît deux cultures, parce qu'il est né au Vietnam, mais il a immigré aux États-Unis. Et donc on sent vraiment dans ses poèmes cette dualité que j'ai trouvée extrêmement intéressante. Ensuite, j'ai lu un recueil encore de poèmes, donc c'est des haïkus, et c'est une collection assez cool qui est pas très très chère, et qui regroupe des poèmes autour d'un auteur ou d'un thème. Donc là c'est ils sont tous sous forme d'haïkus, et c'est souvent des poèmes les plus traditionnels, donc les classiques du genre, jusqu'à des poèmes beaucoup plus récents qui s'inspirent de la structure des haïkus. J'ai énormément aimé, c'est très accessible parce que, enfin, vous voyez, si vous connaissez, mais il y a vraiment trois vers, donc c'est très aéré, ça se lit vraiment facilement. C'est une ambiance particulière, très apaisante, beaucoup axée sur la nature, et une ambiance qui est extrêmement calme, sereine, et qu'on retrouve dans tous les haïkus, même si les sujets varient, on retrouve quand même ces thèmes de la nature, du calme,
que j'ai vraiment apprécié. C'est vraiment très détendant à lire. Après, c'est pas non plus explosif, et c'est vrai que lire tout ça d'un coup, c'est d'être un petit peu beaucoup, mais voilà, piocher le soir parmi quelques poèmes, c'était vraiment très agréable. Ensuite, j'ai lu La fille du roi araignée de Chibunu Onuzo. C'est une histoire qui se déroule au Nigeria, il me semble. Oui. Et donc, on suit la rencontre de Abike Johnson et Runner G, qui sont deux personnages hyper différents. Donc, Abike, c'est la fille d'un riche patron, extrêmement cruel, vraiment sans pitié, à la fois avec ses clients qu'avec sa fille. Et il a une relation avec sa fille extrêmement particulière qu'on va découvrir au fil du récit. Mais la première scène déjà nous donne un aperçu assez brutal. Il joue en fait le père et la fille un espèce de jeu. Et le père essaye de déstabiliser sa fille. Et il fait des choses vraiment horribles en fait, alors qu'elle est vraiment juste un enfant. Et elle doit résister pour un petit peu s'endurcir. Et donc elle vit dans une maison assez particulière. Elle est très gâtée parce que sa famille est très riche. Mais on va dire qu'elle n'est pas vraiment aimée. Et elle rencontre donc un jeune homme qui est pour le coup totalement l'inverse. Donc il doit un petit peu soutenir sa famille parce que sa mère est complètement dépressive, sa petite sœur doit étudier. Et donc c'est lui qui amène tous les revenus dans leur maison. Et voilà, c'est une famille qui est soudée, qui s'aime, mais malheureusement, ils ont vraiment du mal à lier les deux bouts et tout repose vraiment sur lui. Donc, alors qu'il est assez jeune, donc ils ont 17 ans, il me semble, il a vraiment énormément de responsabilités. Et il vend en fait des petits objets quand les voitures s'arrêtent au feu rouge. Et c'est lors d'une de ces ventes qu'il va rencontrer Abike et ils vont commencer à avoir une relation d'abord d'amitié, puis ensuite amoureuse. Et leurs différentes personnalités vont un petit peu créer quelque chose d'assez particulier parce que on va découvrir qu'Abike est beaucoup plus manipulatrice qu'on ne le croit, qu'elle tient beaucoup de son père et que les problèmes qu'elle a eu avec sa famille ont forgé une personnalité qui est assez vicieuse et malhonnête. Donc voilà, et la fin est assez explosive. J'aurais aimé qu'on aille plus loin dans la relation entre Abike et son père, qu'on aille plus loin dans la noirceur vraiment du personnage. Je trouve qu'on est resté quand même un peu en surface. Mais sinon, à part ça, c'était vraiment une très bonne lecture. Ensuite, j'ai lu Shisakobe de Minetaro Mochizuki, qui est le premier tome d'un manga. Il y a 4 tomes, il me semble. Je ne me rappelle pas très très bien, mais on suit ce petit personnage-là qui va être engagé. Lui a perdu ses parents et ils vont se rencontrer. Enfin bref, je ne me rappelle pas très bien, c'est un peu nul, mais c'était sympa. Enfin, c'était un bon moment de lecture, je l'ai lu en une traite. Mais c'était pas exceptionnel. On sentait que c'était quand même le début d'une histoire, ça mettait un petit peu les choses en place, mais il se passait pas grand-chose, c'était vraiment plus une introduction, j'ai eu l'impression. Et pour 15 euros, je trouvais que ça faisait un petit peu cher l'introduction. Voilà, je compte pas repayer au prix fort la suite de cette série. Si je les trouve moins chères, pourquoi pas, mais voilà, je trouve que ça ne vaut pas son prix. Ensuite, j'ai lu le tout petit essai Wishizobi Féministe de Chimamanda Ngozi Adichie, qui est ultra connu maintenant. Donc voilà, j'imagine que le titre parle un peu de lui-même, ça parle de féminisme. C'est très simple, très accessible, ça met un peu les bases. Donc pour ceux qui ont déjà lu pas mal de choses sur le féminisme, c'est peut-être un peu basique. Mais pour moi qui débute, c'était vraiment parfait. Elle parle avec beaucoup d'honnêteté, de pédagogie. Elle est jamais dans l'agressivité ou des sentiments trop négatifs. Elle se laisse pas déconcentrer par la colère en fait. Elle reste assez droite et honnête et j'ai vraiment adoré son approche de la question. C'est très facile à lire, donc vraiment je vous le conseille en français, en anglais, comme vous voulez. Mais voilà, si vous essayez de le lire en anglais, c'est très accessible. Ensuite, j'ai lu une sorte d'essai un petit peu de sociologie, donc Modern Romance de Aziz Ansari et Eric Lannenberg. Ça parle des relations amoureuses, à la fois la révolution qu'a eu Internet sur notre manière de percevoir et de vivre les relations amoureuses, et également des parallèles qui sont faits sur toujours sur le même sujet, mais dans plusieurs pays différents. Donc c'est extrêmement bien documenté, il y a plein de sources, on voit vraiment qu'il y a un travail vraiment sérieux derrière ça.
J'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc il remonte assez loin, mais il se concentre quand même sur l'énorme tournant qu'a eu Internet, les applications de rencontres, etc. Sur notre manière d'aborder une nouvelle relation. Et dans tout le livre, il va parler de toutes les étapes des relations et comment est-ce qu'elles ont été transformées de la rencontre jusqu'à la séparation. C'est assez intelligent, assez simple, vraiment, c'est pas de la sociologie très poussée, c'est accessible vraiment à tous. Ça reste assez ludique, donc il y a quand même des petits graphiques, etc. Mais on a parfois des extraits de conversations, par exemple, messages comme ça, donc ça reste très facile à lire, vraiment une bonne lecture que je conseille si vous, le sujet vous intéresse, évidemment. Ensuite, j'ai lu Le Jardin de l'Ocre de Leila Slimani, donc son premier roman. Elle est beaucoup plus connue pour Chansons douces, mais j'ai préféré commencer par celui-ci. Dans Le Jardin de l'Ocre, pardon, on suit Adèle qui a une addiction sexuelle, donc on va voir un petit peu comment est-ce que son quotidien est affecté par cette maladie, parce que c'en est une. J'ai adoré ce livre, alors que je sais que plein de gens ont été assez déçus, mais j'ai trouvé l'auteur vraiment audacieuse, le personnage principal extrêmement crédible. Elle nous est vraiment montrée de manière honnête dans tout ce qu'il y a de plus moche dans sa personnalité, mais on arrive quand même, je trouve qu'on arrive quand même à avoir un petit lien avec elle, même si parfois on désapprouve totalement ce qu'elle fait, mais parfois on compatit un petit peu parce que avant tout on ressent quand même la douleur de cette femme qui n'arrive pas à s'intégrer dans la société où elle vit. Elle n'arrive pas à vivre normalement et elle est profondément malheureuse, et cette addiction crée vraiment en elle un énorme trou, et même si elle a un mari qui l'aime, un enfant, des amis, un métier qui lui plaît, elle est profondément malheureuse, donc c'est très sombre et triste, mais j'ai énormément aimé. Ensuite j'ai lu des essais de George Orwell, donc j'en ai lu deux, un sur pourquoi est-ce qu'il écrit, donc il parle de son métier d'écrivain, et un autre sur le langage et comment est-ce qu'il est utilisé pour convaincre par exemple en politique. Encore une fois, pas d'énormes souvenirs de ce livre, mais je me souviens que j'ai trouvé ça plutôt bien, même s'il a quand même un ton assez pas condescendant, mais un petit peu comme s'il avait la science infuse, qu'il avait le modèle à avoir pour être écrivain, qui parfois peut être un peu agaçant, mais c'est vrai que on va dire que c'est assez légitime étant donné que 1984 est un livre, on va dire, plutôt génial, donc il peut un peu se permettre d'être un peu orgueilleux par moment, mais ça reste très intéressant, pas si facile à lire que ça, faut un peu s'accrocher, mais c'est très court, donc voilà, ça vaut le détour. Ensuite j'ai lu La Fièvre de l'Aube de Peter Gardos. C'est une histoire d'amour entre deux personnages en Suède, donc à la base ils viennent de Hongrie, mais après la guerre ils se retrouvent en Suède, coincés là-bas dans des hôpitaux parce qu'ils sont tous les deux malades, et donc on suit Miklos et Lily qui sont dans des hôpitaux différents. Ce qui se passe, c'est que Miklos va envoyer une dizaine de lettres à plein de femmes différentes qu'il va trouver. Je sais plus sur quoi il base ses recherches, mais il va trouver une dizaine de femmes, il va envoyer des lettres, il va commencer à avoir des correspondances avec toutes ces femmes, et peu à peu il y en a pas mal qui vont s'épuiser, il va arrêter de leur parler, mais il en reste une, donc Lily, et ils vont continuer à avoir cette correspondance, et va se créer un amour vraiment sincère entre eux alors qu'ils ne se sont jamais rencontrés. C'est très touchant, c'est assez triste aussi, mais même si ça se place dans un contexte qui est vraiment dévasté, c'est la fin de la guerre, les gens sont pauvres, tout est détruit, les gens meurent, il y a quand même énormément d'espoir dans ce livre là, et surtout avec l'histoire de ces deux personnages qui nous met le sourire, donc c'est une lecture vraiment très agréable que je conseille. Et enfin une lecture beaucoup moins réjouissante, c'est Bord de mer de Véronique Olmy. C'est un très court roman. On va suivre une mère de famille qui emmène ses deux enfants à la mer. Elle est pauvre, elle a du mal à satisfaire les besoins primaires de ses enfants, mais elle va réunir toutes ses économies pour les emmener à la mer. Ça semble être une obsession pour elle, elle veut qu'ils voient la mer. On ne sait pas vraiment pourquoi elle a cette obsession, elle les fait rater l'école, elle n'a plus
elle a plus d'argent en fait, mais elle tient vraiment à ce voyage. Dès le départ, dans le car pour aller à la mer, il y a une ambiance qui est tellement sombre, oppressante, mais vraiment c'est pesant. On sent que ce personnage-là est désespéré, est malheureux et malade. Dans certains moments, elle parle de ses sensations, de ses pensées, et on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle a un décalage avec tout ce qu'il y a autour d'elle. Elle se cache, elle a honte, elle a des réactions qui sont totalement inappropriées. Ses enfants ne comprennent pas vraiment ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'ils ratent l'école. Ils sont pas vraiment contents d'être là avec elle, à la mer. Mais elle tient, et c'est vraiment cette obsession qui nous met un peu la puce à l'oreille, et on comprend quelque chose qui va pas du tout avec cette femme. Tout au long du livre, la pression va pas diminuer, ça devient de plus en plus oppressant. La palette de couleurs, c'est vraiment dans les marrons. Elle est triste, elle est malheureuse, cette mère, et la fin est à la hauteur de tout le livre. Vraiment une lecture bouleversante, choquante. Que j'ai adoré. Donc voilà, c'est tout pour le bilan du mois de mai. J'espère que ça vous aura plu. Je vais de revenir dans pas trop longtemps pour la suite. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. À une prochaine.